En fait, digicode ou keypad, ça veut dire que tout simplement, ce sont des petits boutons poussoirs qui sont mis suivant une ligne et suivant une colonne bien définie pour pouvoir former ce qu'on appelle ça une matrice. Alors, ces systèmes, on les utilise par exemple dans le truc des trésoreries, pardon. Donc, par exemple, au niveau des agents comptables, ou à la Marév Michel, par exemple, dans la sécurisation des maisons, des biens et des personnes, on peut facilement les retrouver. Même, c'est aussi le même principe qui utilisé aussi sur vos téléphones. Ça veut dire que votre téléphone a bloqué d'autres une matrice en fait. C'est comme un petit clavier. Ton clavier là, c'est ça qu'on appelle ça Digicode. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc j'avais préféré plutôt l'organiser comme suit. Donc premier exemple, je vais juste vous apprendre à configurer une petite communication de ces Digicode avec une carte Arduino. Ça veut dire que je mets une carte Arduino, un digicode, un afficheur 7 segments, LCD, pardon. Donc, ce qui veut dire que code allait te taper, mais par exemple, quand tu as 1, là, tu chiffres l'écran et affiché 1. Quand tu as 2, il est affiché 2. C'est ça. Et après, je vais essayer de faire des choses un peu avancées. Donc, je vais essayer de prendre un exemple beaucoup plus compliqué où je veux parler, par exemple, de la sécurisation d'une enceinte. Par exemple, fille bâtiment d'Ol, le mari, fille agent comptable d'Ol, fille trésor d'Ol, des choses comme ça, quoi, en fait. Donc, ce qui veut dire que agent comptable, quand tu as codano, codal, bouillard, quand tu as gada, portano, une fois, madagal, ma, dit la porte, ma, une fois, ça veut dire que si c'est un mauvais code, on va faire, je ne sais pas moi, des exemples comme Gilles. Il faut que sonnerie d'ol, alarme d'ol, on peut les relier à la police, mais ça c'est des choses beaucoup plus compliquées. Alors comment ça marche? Donc Awalki, avant de l'utiliser, là il y a une bibliothèque, et cette bibliothèque, je vais pas me casser la tête parce que c'est un truc un peu standard qui existe partout d'ailleurs. Donc cette configuration, alors là c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de copier. Je vais pas me casser la tête parce que c'est la même chose. Et donc je les colle ici, mais après je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Ok, d'autres choses. Donc avant de l'utiliser, parce que comme c'est un objet, là, donc on est obligé de le configurer. Donc on va appeler forcément, il y a tout ça, moi je suis à bibliothèque. Alors bibliothèque, c'est une bibliothèque qui est appelée Keypad, qui est là. Donc je copie. Alors, mais comme je vais utiliser aussi un LCD, là, je suis obligé aussi d'utiliser, comme ce qu'on a fait la fois dernière, là, je suis obligé aussi d'intégrer aussi la bibliothèque LCD, qu'on appelle ça Liquid Crystal. Donc, regardez, ce que je fais, puis Protoïse, c'est quelque chose comme ça en fait. Donc, comme c'est quelque chose comme ça, là, Manata, Hanayalgan utilisé, là, c'est une matrice, donc, on a tu vois, White, Tineni, Talata, Arba. Oui, nous, White, Tineni, Talata, Arba, donc, il y a quatre lignes et quatre colonnes. Donc, comme c'est quatre lignes et quatre colonnes, là, ça, c'est la ligne et ça, c'est la colonne. Donc, je vais dire, ça, c'est quatre. Aux dispositions, alors, quand je vous dis, vous me recevez 1, 2, 3, 4, Michel, là, qui n'a pas de fog de 7. 8, 9, ou 1, 2, 3, 4, d'agaï, bêtis. Donc, si vous voulez, je peux copier tout ça, ou je coupe ça, et je ramène ici, je colle ici. Et la même chose, je vais essayer de le couper, et je vais le ramener de l'autre côté. Copier, couper, je fais ça, et j'amène coller. Donc, il y a un élément aussi, un dernier élément qui est là, je vais appeler A, B, C, D. Donc, si j'appelle A, B, C, D, dans mon attente, A, Michel, là, donc, je fais copier. Et ici même, je fais coller, coller, coller. Alors ça, j'appelle ça D. Ça, j'appelle ça C. Ça, j'appelle ça D. Alors quand j'ouvre toute configuration, la ligne à Guédolama, ligne d'attente. Donc c'est 10, 11, 12, 13. Alors que ligne dans le row, donc 12, 10, 11, 12, 13. Donc je fais 10. Oui, Ninatiba, 11, 12. Oui, une active 13. Quand j'ouvre toute colonne de malda. Donc, d'ailleurs, c'est 7, 8, 9. Donc, comme je fais 7, 8, 9, pardon, c'est 6, 7, 8, ou baden de les derniers de ce 9. Il les connaît automatiquement. Ça veut dire qu'il est bien configuré. Alors, si je veux, je veux aussi intégrer un LCD. Si je veux intégrer LCD, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà vu sur la vidéo précédente, c'est liquide. Crystal, je lui fais comme ça et je lui dis LCD ou Aldakhala Naktiba tous les éléments. Mais comme c'est le même exemple, donc je fais 0, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. Donc virgule, je vais mettre des virgules, virgule, virgule. Alors, Anna, comme nous devons nous dire ce code, supposons que quand nous avons une 7, nous devons nous dire une 7.
Il passait Beda ou Yomurgleini 7. Comme Yomurgleini 7, je dois forcément fabriquer, je dois mettre ça dans une variable. Donc je vais créer une variable que je peux appeler, c'est une variable de type caractère, parce que ce que je tape de c'est des caractères. Je vais appeler ça la variable, supposons que j'appelle ça clé, Michel, par exemple. Donc, et comme je préfère plutôt mettre beaucoup de choses, je vais appeler ça une clé qui contient par exemple 5 éléments. Yani, une de filou bahamsa. Ça veut dire que Nagdan Michel par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou aïe Michel, Charolkeye, Michel par exemple 5 digits quoi. Donc, alors, quand c'est à l'Aldadanada, finalité à guider chez nous. Donc, ça y est, LCD, je vais commencer par les LCD. Donc, je lui dis LCD, point begin, comme ce qu'on a déjà fait la fois passée. Begin. Alors, je lui dis les nombres des lignes, les nombres des colonnes, pardon, c'est 16 et les lignes c'est 2. Qu'est-ce que je fais? Je vais taper quelque chose. Est-ce que je tape là où il faut qu'il soit 6 colonnes? C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit une matrice et cette matrice, si vous voulez, c'est un tableau en principe. Parce que matrice, normalement, une ligne ou colonne, comme colonne, ou la ligne, on appelle ça un vecteur en fait. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a une seule ligne et plusieurs colonnes ou vice-versa. Donc, d'ailleurs, je vais mettre ça dans une boucle. Alors, la boucle, là, je vais essayer de la fabriquer ici. Donc, boucle à guider, je vais appeler ça un int i que je déclare ça à partir de 0. Et bien, de nourrir toujours le site. Comme si tu es là. Khamsa, je vais m'arrêter à 6 parce que c'est supérieur strictement. Donc je fais i plus plus. Alors, alors tout ce que je veux, je vais taper des choses ici. Ce que je tape là, il faut qu'il m'affiche, mais il faut qu'il m'affiche là. Je vais vous expliquer ça là, ce que je prends pour le moment là. While clé, je vais appeler ça clé. Alors, il faut qu'il soit au moins différent. Ça veut dire que quand il est quand ma biga 0 de couleur tibali. Alors, chaque fois que je tape, si j'ai tapé, si la clé est tapée, c'est-à-dire Algan dit sera dans sa mettre la clé, hein, donc il faut être clair là-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je sais que c'est un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est tellement facile, quoi. Quand on a décortiqué, vous allez voir, c'est tellement facile. Alors, qu'est-ce que je fais? Chaque fois qu'on tape, il faut qu'on mette ça là-dedans. Chaque fois qu'il y a de ça veut dire que je crois que il faut que tu fasses le bal variable. On appelle ça get key, ça veut dire recevoir la clé. Alors, ça, c'est il y a une fonction qui est déjà là. C'est pas moi, mais ça, c'est un truc constructeur, donc c'est plus facile. Vous avez vu, returns the key that is preset, if any. Ça veut dire qu'il va retourner, chaque fois qu'on a déjà, ça veut dire qu'il va retourner la variable qui est déjà tapée à partir de notre keypad. Donc, on va juste prendre ça, une fonction, cette fonction-là. Alors, je veux appeler, par exemple, et ça, cette fonction que je fais, c'est appelé keypad. Chaque fois qu'on veut faire une fonction de keypad, on écrit d'abord keypad. Et après, on écrit get key. Oui, ça. Ou donc, dada, yogo tfish nous. Alda yogo tfish nous bal clé. Donc, yogo tfish nous bal clé. Donc, la variable que j'ai mis, elle est appelée clé. Donc, alda, chaque fois que je tape dans le dog, fil bal clé. Alors, quand de getter chez nous, finalité, à guider, on doit afficher. On doit afficher fait LCD, à chaque chiffre que je vois là, de getter à deal quoi. Donc, on doit afficher fait LCD de chez nous. Goulna, la fois passée de LCD, point. Afficher, afficher, c'est print. Donc, on affiche. Ce qu'on affiche, on met quoi? Donc, fil au bal. Chaque fois que ce qu'on a fait ici, là, on l'affiche là. Donc, vous allez voir, je fais copier et je fais là coller. Alors, je vais reprendre ça en soft, ce que j'ai fait, parce que ça a été un peu rapide. Donc, dadanada, ça, c'est la bibliothèque qui permet l'utilisation du LCD là. Et ça, c'est la bibliothèque qui permet d'utiliser les keypads ici. Donc, alors ça, c'est la variable qui permet, par exemple, de contenir tout ce qu'on tape à partir de keypad là. On l'enregistre dans la variable que j'appelle ça clé. Et quand je fais clé 5, ce qui veut dire que c'est un tableau, ou si vous voulez, c'est un vecteur qui doit contenir forcément 5 éléments. Alors là, ça, c'est la configuration du LCD. Je vais m'en passer parce qu'on l'a déjà fait. Et cette partie, ça, c'est la configuration. Ça veut dire que l'initialisation de cet objet qu'on appelle ça keypad, ou comme on a 4 fois 4, j'ai mis ici la ligne, le row, c'est la ligne call, c'est columns,
Et donc, ça fait 4-4. Donc, ça, c'est des commentaires. Hein. Il n'est pas pris. Et alors, on va définir une variable qu'on appelle ça key. Ça, c'est une variable que moi, j'ai définie. Et cette variable-là, c'est juste un petit tableau. Et donc, le tableau, il y a une ligne aux colonnes. Donc, une ligne aux colonnes, je vous 4 fois 4 ini. Donc, d'abord, c'est une white, une talata, arba. Donc, arba fois arba, 4 fois 4, ça fait 16. Donc, le 4-4 ici. Donc, alors ici, donc, on va juste faire la connexion, en fait, des lignes et des colonnes. C'est-à-dire la connexion entre le keypad et la carte Arduino, ça on fait. Et ça, c'est la variable, la fonction plutôt, qui permet d'initialiser tout le système. Enfin, tous les systèmes du keypad. Et après, bon, les autres blabla, c'est la même chose. Donc, ça, c'est les LCD, on l'a déjà vu. Donc, comment on a gagné utiliser site élément, là, je fais Ramsa, pardon. Donc, je commence de 0 inférieur, strictement inférieur à 6. Donc, ce qui veut dire que 0, 1, 2, 3, 4, gagne 5. Donc, manata filo badakhar. Alors, ça. Chaque fois que je tape if, chaque fois que je tape quelque chose, ce que je tape de ce que je reçois, je le mets dans la variable et cette variable je l'affiche ici. Donc vous allez voir, il n'y a qu'à enregistrer où. Alors si je veux essayer de l'enregistrer, je fais ça. Et alors ça c'est enregistré comme ça. Et s'il a déjà fini l'enregistrement, je fais comme ça. Alors donc en Kamala, donc je vais appeler l'escape que j'ai appelé 16B. Alors, Hininaginadi, vous allez voir, on va le tester. Alors, je vais essayer de l'appeler. S'il a fini, hein, bien sûr, s'il n'a pas fini, je ne peux pas. Donc, en principe, Gaïbe Fokini, ouais, c'est ça, ça sert 20 heures. Je viens de le faire tout de suite là. Alors, il n'a pas fini, apparemment. Oui, il n'a pas fini parce qu'il continue toujours. Alors, on va l'attendre parce qu'il va falloir qu'il camille la bacane alda. Quand Kamala, en principe, tout sera bon si je ne me suis pas trompé. Alors, je vais essayer de faire déplacer comme ça pour me permettre de retrouver les choses que j'ai déjà tapées. Vous voyez, Daga Insad Dabini et Daga Insad Dabini. Ok, apparemment, ça devait être bon. Alors, on va attendre ce qu'il camille la bacane alda ou on les teste. Vous allez voir ce qu'il va nous donner. Alors, il prend beaucoup de temps, je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vais récompiler alors. Ok, donc compilation à la Kamal. Alors, si vous êtes d'accord, Kamal, d'accord, je vais essayer de l'appeler. Vous allez voir, on en est tapé sur le web. Inch'Allah, comme si je ne me suis pas trompé, il va m'afficher des choses exactement. Alors, après, donc, d'accord, de guette 7, à 7 également, Maraga, 8 d'accord, Maraga. Alors, ça veut dire que la communication ici, elle n'est pas bonne. Alors, on va repartir de l'autre côté. On va vérifier. Est-ce qu'on est bon? C'était 10, 11, 12, 13. Et là-bas, c'est 6, 7, 8. 10, 11, 12. Alors, à ça, quand Fakartu, vous savez qu'on était un peu bloqué parce qu'en fait, donc, le problème, c'est. J'avais à réfléchir, mais le problème, c'est ici. Quand je trouve tout là, par exemple, c'est manata variable que j'ai appelé, par exemple, key. Celle-ci, que j'ai appelé Keida, ou de Keida Gaïchi, ou pardon, parce que je l'ai modifié. En principe, j'ai appelé ça clé. Donc, parce que à tout ce j'étais obligé d'aller réfléchir au Kedol Jundola, ça va forcer à changer. Quoi. Mais bon, si vous voulez, je vais repartir. Mais c'est la même chose, n'importe laquelle, hein, vous pouvez appeler comme vous voulez. Hein. C'est-à-dire Tokdorotinadou, vos noms, comme vous voulez. Donc, avant, quand j'ai tapé, ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas dans Manat? J'ai testé dans le truc où, en principe, normalement, avant de le tester, de vérifier que l'utilisateur entre d'abord. Parce que l'utilisateur m'a dit ça, manqué un orlo vérifié. Donc, ce n'est pas normal. Donc, il suffit juste que je copie ça, je coupe ça et je mets là. Si je mets là, vous allez voir que quand on a récompilé, cette fois-ci, ça devait marcher. Donc, quand on a un nombre, si je tape, il doit en principe marcher sans aucun problème, Inch'Allah. Donc, par exemple, ça, vous avez vu, ça veut dire qu'il par exemple, quand il doit le 7 ou 8, attendez, je vais reprendre, il y a 1, il y a 0, il y a 3, il y a 4, il y a 4, il y a 4. Alors, quand on fait carte, par exemple, quand on fait téléphone, ou quand on fait le gâteau, je vous par exemple, on doit tout dougou, mais en réalité, il y a un gâteau comme il y a X d'or, ou là, je ne sais pas moi, 0 d'or, il suffit juste que ce soit là-bas. Alors, par exemple, vous allez voir qu'à ça, quand il y a un code, il va le cacher. C'est-à-dire que
Donc, Saint-Michel, par exemple, si je veux essayer de les tester, vous allez voir, chez un Douga de Mourgue X. Oui, alors qu'il y a un Douga de bon nombre, hein, mais il y a un Mourgue X. Michel, par exemple, quand vous avez un téléphone que vous pouvez voir, par exemple, quand on a un Mourgue comme je dis 0, ou que de le c'est le Michel O à manquer. Quand c'est le O, ou que de le tu vas voir qu'au lieu qu'il y a affiché les dedans, il va plutôt les cacher, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant, ça te permet quand même de faire quand même des choses, à mon avis, qui me semblent intéressantes. Ça veut dire qu'à Saint-Michel, par exemple, d'un Dougolo, Kedor, Chondola, Yomurgale, Michel, là. Alors que je suis en train de taper le bon code, enfin, qui me semble le bon, quoi. Donc, à Saint-Kédin, à mon avis, je vous ai déjà montré comment est-ce qu'on fait. On va aller à l'exemple suivant, si je pense qu'on a bien discerné quand même. Donc, Inida, on est en train de sécuriser. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on va permettre à l'utilisateur de taper le code et le système va le vérifier. Quand il Adil, il va te faire une bonne chose. Mais quand ma Adil, il va te faire, par exemple, une alarme ou un truc comme ça. Mais attention, Inida, comme on ne va pas demander à l'utilisateur, par exemple, bon, c'est des choses aussi faisables, mais je vais dire taper code de Biga 1, 2, 3, 4, 5. De choix à Guyana, vous pouvez choisir comme vous voulez. Quand il y a 1, 2, 3, 4, 5, le code est bon. Michel, par exemple, je vais dire que si seulement je fais 1, 2, 3, 4, 5, la lettre qui est reliée au A0, elle va s'allumer. Et si, par exemple, elle n'est pas, le code est mauvais, hein, c'est ce petit buzzer là qui va se mettre en place. Alors, qu'est-ce que je fais? Il suffit juste que je vais configurer tout simplement A0 et A1 qui sont des entrées. Je vais les configurer, ah, pardon, comme des sorties, je m'excuse. Donc, je vais